parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais on n'est pas à temps plein sur Batard et du coup, quand on se voit, c'est toujours le soir, vite fait, pour faire des points. Et du coup, là, on va prendre le temps, un week-end, de se réunir vraiment pour se poser et pour réfléchir à comment avancer le projet cette année, quoi. On va bientôt pouvoir annoncer le lieu de construction du Drakkar, mais pas ce week-end, bientôt, on vous promet. T'as que j'allais dire ? Super. et voilà, et peut-être en direct live un accident, je sais pas. À voir. Ça dépend si je me mets en mode double versé ou pas, quoi. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à Beauport. Arnaud et moi, a.k.a. Beyond on the Flex, qui est derrière la caméra. Quelle bonne idée d'avoir fait ça. On regrette un petit Bonjour. Peu. Bonjour. Est-ce qu'on regrette un petit peu d'avoir fait ça? Légèrement. On va laisser un jamais, coup. Jamais la sortir. T'as foutu des gars là. Du coup, on entend l'autre voiture avec les pélos qui est allé chercher. L'autre Arnaud, le troisième des quatre Arnaud, à Perpignan. Ils arrivent très bientôt. Et on le fait une première fois. Et nous on pensait qu'il y avait des travaux. Et là on voit pas des voitures arriver en face. Ah mais oui c'est en vrai. En fait c'était... on est Alex. Le premier mai. Dès que ça tombe proche, je pense qu'il y a d'affaires. On va profiter de ce samedi pour réfléchir tous ensemble à des sujets qui sont vraiment importants pour nous. Et on va essayer si on a une fenêtre météo sympa. D'aller faire une petite rando. Voilà. Eh ben on va bosser. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien qu'on arrive à faire tout ce qu'on a prévu de faire cette année pour effectivement construire le Drakkar le plus rapide du monde et traverser l'Atlantique tous New York en 2024. En mode gunball, c'est parti, tiens prends ton Red Bull, on y va quoi. Choisis ta team. La cascade des Anglais, très bien. Qu'est-ce que c'est Arnaud ? Eh bien c'est une cascade découverte par les Anglais parce que les habitants locaux étaient trop feignants pour aller en dehors du village. Et donc du coup il a fallu que les touristes anglais découvrent cette cascade en 1854. Cette petite colonie là, qui se déplace, c'était... Quoi ?
Je parle à nos... La veste est tombée. La chaleur se fait ressentir dans le corps exceptionnellement musclé de Braco. Braco. Exactement. C'est de la triche un peu, non? Mais non, mais pour qu'on les reconnaisse. Oui, bien sûr, je suis en train de me faire courir. Attends, je suis pas pris. Un. Oh, oui. On va jamais les voir. Ah! Ah, c'est... Oh, la win! Oh, moi, je suis où? Ah, je pense que t'as une avarie. Putain, un problème technique. Buongiorno. Buongiorno. Alors, qui hacemos esta mañana? Esta mañana, on monte le petit col de la Peña. Pena. De la Pena, pardon. Et on va finir nos activités, notre réunion de cet après-midi pour bien finir le programme de l'année bâtard avec les petites opérations dans Toulouse. Mais ça va bientôt arriver. Et la nouvelle expédition. Braco, prochaine étape. La tour de Goa, non? C'est ça? Mais je... Hey, t'as tourné, c'est... Voilà. La tour. Et puis voilà, on a atteint la tour. Et maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. T'as vu là? C'est pas l'heure de l'apéritif? Si. Parcours. Mais qu'est foulé! La technique de drague de Braco en direct. Mais c'est des lanceurs d'engins ou des... Bah là on fait juste un changement de conducteur et on rentre à Toulouse quoi. C'est bon week-end, on a bien randonné, bien bossé, c'était très cool. Et on a une superbe météo donc plutôt content. C'est quoi la suite? La prochaine vidéo, c'est simple, hein, c'est la première sortie de 2021 depuis Narbonne jusqu'au sud de la France vers Collioure. 3 jours à l'ascension de Drakkar, donc ça va être magique, on a hâte. Lunettes de vitesse. Il va extrêmement vite. Dès qu'il le met, il va vite.